Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'Expresso, on va faire du JDR. On va voir des jeux de plateau et de cartes. On va parler des sorties de Games Workshop, Star Wars, Marvel Crisis Protocol et puis le conseil BD à la fin. Allez, c'est parti! Et on commence avec les précommandes qui sont ouvertes chez Chaos Project. Pour le livre de règles de Wrath and Glory, Chaos qui transforme l'essai, puisque après Warhammer Fantasy et avant Age of Sigmar, vous allez pouvoir vous lancer dans le JDR du 41e millénaire pour un peu plus de 60 € pour une livraison qui devrait se faire sous le sapin. Le lien est sous la vidéo et croyez-moi, on va en reparler très bientôt. Bah parce que franchement, c'est très très beau et moi, ça m'intéresse énormément. Côté jeu de plateau et de cartes, on commence avec Aurore à Arkham, les clés écarlates, qui est une extension investigateur. Pour 40 € on va retrouver donc de nouveaux personnages qui seront au nombre de 6 et on va avoir un ajout multiple de nouvelles cartes joueurs, d'options pour la construction de vos decks, y compris de nouvelles cartes personnalisables qui peuvent être elles-mêmes améliorées selon les goûts. Alors, c'est une grosse trousse à outils. Sans doute c'est réservé aux fans du jeu, hein, ceux qui sont vraiment allés en profondeur pour exploiter tous les détails des aventures. Toujours côté extension, on va avoir Catan extension Ville et Chevaliers 5 à 6 joueurs. Alors là, tout est dans le titre, puisqu'il y a un ajout de quelques mécaniques de jeu, mais surtout, on va avoir la possibilité d'agrandir la partie jusqu'à 6 joueurs pour 1 à 2 heures à partir de 12 ans, et puis ce sera au prix de 18 €. La sortie de la semaine, ce sera Bitoku, le voyage du grand esprit. Ici, les joueurs incarnent des esprits qui accomplissent toutes sortes de tâches afin de prouver qu'ils sont dignes d'assumer la fonction de grand esprit de la forêt. Celui-ci est décédé et il faut le remplacer. Le jeu se déroule en 4 manches qui correspondent aux 4 saisons. Au fur et à mesure que vous gagnez des points de victoire, vous aurez le chemin de l'esprit qui borde le plateau principal qui sourira à vous. Lors de l'ascension, vous pourrez également gagner des points de victoire supplémentaires en accomplissant certains objectifs. L'esprit qui avancera le plus loin, ben, sera forcément nommé vainqueur et ce sera lui le nouveau grand esprit de la forêt. Alors c'est très beau, c'est très lourd, donc c'est plutôt bien rempli. Ça pourrait être le jeu de l'hiver, votre jeu de l'hiver. Leur attention parce que c'est précisément en hiver que la partie prend fin. C'est à partir de 12 ans, 2 heures, 1 à 4 joueurs et ce sera au prix éditeur de 60 €. Je vous rappelle que si votre magasin est partenaire, il y a une offre à moins 50% pour le second jeu acheté chez Asmodée et ce jusqu'au 8 octobre. Alors, bon, on va y retrouver par exemple Lueur, Rex Arcana, Azul, Aurora Arkham, Paléo, Marvel Champion, un petit clin d'œil à Clément, et j'en passe. Voilà, donc si votre magasin, votre petite échoppe est partenaire, ben, n'hésitez pas, foncez. Côté Games Workshop, petite semaine avec la sortie quand même du Battletoads des Tsinch pour 42 € qui sera accompagné de ses cartes tactiques. Et de profil pour 24 € et d'une très belle boîte d'avant-garde pour 105 €. C'est très coloré. Alors, côté Marvel Crisis Protocol, là on a la sortie de Captain America et de la Torche en version originale, du Baron Strucker et de Armin Zola, et enfin Nick Fury qui est en compagnie des Howling Commando, un socle, 3 figurines. Moi j'avais jamais vu ça, pourquoi pas. Côté Star Wars, eh ben, ça y est, la collection des Battle Force est complète. Vous avez la sortie de la 501e Légion et puis l'invasion séparatiste
qui seront disponibles donc à partir de vendredi, donc au moment où vous regardez cette vidéo. Au niveau du contenu, pour La République, on a Anakin avec trois sections de soldats arc, deux sections de phase 2 et un TLTT. Superbe boîte, franchement, plutôt sympa. Et puis la lourde, beaucoup plus lourde d'ailleurs, boîte des séparatistes, qui, elle, va contenir Grievous, 4 battles de B1, une de Mania Guard, 2 de droïdes de casse, et puis surtout eh ben, le char séparatiste, ce qui explique un peu le surpoids qu'a pris cette version. Voilà, c'est complet, hein. Vous avez les rebelles, vous avez l'Empire, vous avez les séparatistes et la République, donc maintenant il n'y a plus d'excuses pour se lancer dans Star Wars, d'autant plus qu'on a appris que la première boîte, celle avec Dark Vador et Luke Skywalker, allait être rééditée, va être en réassort. Donc là aussi, essayez de vous rapprocher de votre magasin et puis ben, pour obtenir un exemplaire. Vous en avez pris désormais l'habitude. On termine cet expresso avec un petit conseil BD et la très belle sortie. Je vais le mettre là, ici, là, voilà, de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, Time Odyssey. Donc ici, on est sur la version collector, 1 sur 5, ce sera donc sur 5 tomes. C'est dessiné par Jérôme Alquier et Arnaud Dolen. Alors, du coup, on est un petit peu dans le même profil que ce qu'on avait vu avec Goldorak, hein, puisque ce sont des Français qui rebootent le sujet. Le tout, en fonction de la crèmerie, est accompagné d'un très beau ex-libriste. Là, on est sur une version collector hein, à une 35 euros, un peu moins de 35 euros. Regardez-moi cette couverture, elle est de toute beauté. Elle est toute beauté avec bien entendu Ikki, hein, le plus grand des Chevaliers de Bronze. Donc, il y a 5 tomes, vu qu'il y a 5 protagonistes chez les Chevaliers de Bronze. Bon, voilà, je vous montre très rapidement. C'est juste merveilleux, c'est fantastique. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne vais pas trop m'avancer. Mais je pense que voilà, on va avoir une French Touch dans la BD. Cette version collector, elle est agrémentée de tout un ensemble de parties artbook avec les armures, avec toute l'explication du projet en fait. Donc c'est vraiment une très très belle version. Et on a même... Sur la fin, on a une side story, la légende de l'enfant phénix. On a un petit bout d'histoire, une histoire exclusive que vous ne retrouverez pas dans la BD dite classique. Donc voilà, ce collector, si vous arrivez à mettre la main dessus, il y en a encore quelques-uns qui gravitent sur le marché. C'est chez Kana. Voilà, j'en ai terminé pour cet expresso. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le code Pierrot chez mon partenaire Jeux et Trollerie. Ça vous permettra d'obtenir 5% sur votre panier et 5% supplémentaires qui seront capitalisés en points. Je vous rappelle que ces points, il n'y a pas de limite d'utilisation dans le temps, contrairement à certains concurrents, et que sur le site, nativement, vous avez déjà moins 10%. Donc, n'hésitez pas. Ils sont fiables et j'ai un regard sur la préparation des commandes. Il me reste à vous souhaiter un bon vendredi si vous me regardez très tôt comme c'est la plupart des cas des gens qui suivent l'Expresso et qui le regardent donc à partir de 7h du matin. Et puis sinon à vous souhaiter un bon week-end si vous regardez un peu plus tardivement cette version. À très bientôt, bon week-end et à la semaine prochaine.